Bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Engage, dans cette bataille qui, je vous l'avoue, commence sérieusement à me taper sur le système. Voilà, ça fait 2 semaines qu'on est dessus, je l'ai déjà recommencé 2 fois. Là on est dans une position où toutes mes unités sont en vie, mais évidemment je n'ai qu'un seul retour arrière, donc à chaque fois que je vais faire de la merde, je vais devoir recharger la sauvegarde. Donc, à chaque fin de tour où tout est à peu près correct, il faudrait que je sauvegarde sur un nouveau fichier de sauvegarde, parce que là, on est dans une position qui est quand même plutôt satisfaisante et plutôt sécurisée. Le problème que vous voyez ici, la stratégie que j'ai employée tout à l'heure, c'est-à-dire de s'en battre les steaks complets de ça, c'est la bonne, je pense. Parce que je perdrai, sinon, Veyle. Parce que dans tous les cas, lui, il m'attaque. Donc je ne peux pas me mettre là. Donc, on va reprendre notre stratégie initiale, c'est-à-dire mettre Alcryst ici, avec son double recours. Je peux pas m'avancer plus, non. Je pourrais me mettre là. Non. Pas intéressant. On va se mettre là. Comme ça, ce sont les doubles recours qui vont prendre les dégâts. Et avec un peu de chance, ça va se passer de la même manière, parce que c'était pas mal. Alfred, il avait pris cher. Là, c'est pas le cas. On est un peu déçu. Même beaucoup déçu. Très très déçu même. Bon. C'est vrai que Yunaka ne nous sert pas à grand chose. Est-ce qu'elle pourrait nous servir à quelque chose? Je ne sais pas. Veyle, c'est bien. Je la mets là. Comme ça, elle peut attaquer. Elle peut faire des choses. Toi, je vais te mettre ici. Comme ça, tu pourras te déplacer. C'est bien. Est-ce que j'inverse? Comme ça tu es plus proche de lui, mon seigneur. Et cette merde, elle ne prend pas des... Ouais, on va faire ça en vrai. Certes, elle prend l'aggro. Ouais, elle prend l'aggro, du coup c'est un peu con. Mais... Ouais, elle prend l'aggro, donc c'est très con. On va voir comment ça se déroule. Si ça se déroule mal, bah ça se déroule mal. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Pierre, qui augmente la défense et la résistance. Parfait, ça touche sur... Ça ne touche personne, c'est génial. Et Yunaka, tu te barres et puis c'est très bien. Voilà. Et Chloé t'attend. Ok. Bon, à voir comment ce tour se déroule. Parce que si ça se déroule bien ou pas, en fonction, on sauvegardera ou pas. Si ça se déroule mal, on recommence. Ça, c'est déjà une bonne esquive. Bien joué, Madeleine. Maintenant, toi, tu attaques. Madeleine, évidemment, quelle joie, nous voilà tous réunis comme autrefois, j'avais toujours espéré. Tu prends cher sa mère. Bien joué l'échange. Allez, on dégage. On arrête tout. J'ai fait un échange, je ne sais pas pourquoi. La stratégie était nulle à chier. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, ce que l'on va faire, évidemment, puisqu'on ne peut pas recharger depuis le jeu en lui-même, nous allons devoir... Système, quitter, oui. Oui, ça va être passionnant. J'en peux plus de ce combat, sérieux. Non, vraiment, je commence à saturer là. Je commence vraiment à saturer. Je me bénis d'avoir fait cette sauvegarde par contre, parce que, imaginez, j'avais pas fait une sauvegarde comme ça, j'avais fait re-sauvegarder par-dessus à chaque fois dans la progression du combat, et ben je serais dans la merde totale. Voilà, ce que j'aurais pu faire, cela dit, c'est sauvegarder quand même. Sait-on jamais. Quand j'étais arrivé jusqu'à la fin du combat, tout le monde était mort, y compris chez moi. Bon. Reprenons. Double recours, très bien. Madeleine. Madeleine. La stratégie dans le prochain combat, eux ils avancent un peu, et toi il faut que tu puisses aller là. Tu puisses avancer, donc le mieux c'est de te mettre là. J'aurais peut-être pu inverser avec Aléar même, cela dit. J'aurais pu penser à ça si j'étais pas con. Mais je suis teubé. Donc, je n'y ai pas pensé. Bien joué, moi. Hop, on va mettre Veyle. Je sais pas où, là. J'ai loupé une case, mais c'est pas grave. Hop, fin de tour. Allez, on y croit cette fois. Est-ce qu'il se passe pas grand chose? Enfin, du moins de mal. Là, le double spectral, tu m'esquives ça, s'il te plaît. Merci. Parce que si tu te le prends, bah, on est dans la même merde que tout à l'heure, donc c'est génial. Ah, t'attaques là-haut, toi, du coup. Oh, c'est bizarre. Quelle joie, nous voilà tous réunis comme autrefois, j'avais toujours espéré. C'est bizarre. Esquive-moi ça. Voilà, c'est bien ça. Tape-le, coup critique. Coup critique. Très bien. Ok. Mais ça se passe là-haut. Intéressant. Intéressant, je sais pas en vrai, mais différent de tout à l'heure. Il y a le piaf, il y a lui. Ça c'est très bien. Enfin, ça c'est très bien, non, ça se déplace de la même manière. Hein. Toi tu fais ça, c'est cool, on s'en fout. Allez. Donc. La priorité. The top priority. Ça va être de buter Céline. Voilà. Ça c'est la top. Top. Si je me mets là. Ok. L'arc en argent, il est encore mieux. Ouais, l'arc en argent est encore mieux. Donc, Lynn, tu peux aller crever. Hein. Ah non, attendez. My bad. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Y a moins de chances de... Celui-là est pas mal, mais y a quand même un plus grand pourcentage de foirage. Donc on va prendre l'arc en argent. On voudrait pas. Enfin, finir responsabilité, obligations et tout le reste. Allez. Faut que ça touche une fois. Ça, c'est très bien. Ça tape deux fois même. Deux fois, on s'en fout, mais une fois, c'est bien. Ok. Ça... c'est à moitié fait. Merde. Vous savez ce que j'ai oublié de faire? Vous savez ce que j'ai oublié de faire? Vous le savez ce que j'ai oublié de faire? C'est de sauvegarder. Je vais quand même le faire. C'est pas tout à fait bien. On va se mettre là. Ah non, ça c'est le dernier chapitre, c'est pas bon. Xénologue déchu, c'était juste après. On va se mettre sur celui-là. On s'en fout de celui-là. Ouais, on s'en fout de celui-là. Hop. Celui-là, on s'en fout. Hop. Maintenant, il me faut que j'envoie diamant. Ça, le truc, c'est qu'il en faut un quatrième derrière. Enfin, il en faut un troisième qui le tue. Est-ce qu'on veut pas que j'envoie Aléar, du coup? Bah, qui c'est que je peux envoyer tuer la dame, là? Et je prends pas trop de risques. Ah, peut-être toi, en vrai. En vrai, je prends peut-être pas trop de risques avec toi. 93, je te mets 21. C'est pas mal. Juste esquive, ça c'est cool. Parce que du coup, est-ce que je peux pas envoyer Aléar là? Ah, c'est pas loin. Ah si, c'est très bien ça. C'est très bien, je sais pas en vrai. Hein. Parce que Roy, il... non mais non, on va pas mettre, on va pas mettre Aléar. Parce que ce qui est bien avec Diamant, c'est qu'il éclate tout. Le problème, c'est qu'il se fait éclater là. On l'avait vu dans le précédent combat. Il s'est fait éclater. Il a perdu sa vie. Je peux pas... J'ai pas fusionné. Est-ce que je peux pas y aller avec la lame du saut? Si. On va faire la lame du saut. Ouais, on va faire ça. En fait, là il nous manque Chloé. Enfin, surtout Byleth, mais... Il nous manque Chloé avec Byleth, là. Que je pourrais mettre ici, là. Hop, et bam, on relance tout. Le problème, c'est qu'elle est pas là du tout. Chloé avec Byleth, elle n'est pas là. Elle n'est pas près d'y être. Alors ça pose problème, parce que du coup... Toi, tu peux pas attaquer là-haut. Lui, là. Ah, c'est chiant, ça. Alors, c'est chiant, mais en même temps, c'est pas si grave. Parce que ça permet qu'on tue eux. Attends, vous attaquez jusqu'où, bon? Jusqu'où, là. Ça, c'est chiant. Ça, c'est un peu chiant. Je vais te mettre là, avec toi. Je peux même envoyer Tom... Ouais, non, je vais pas mettre la Tomahawk. Je vais garder celle-là qui est mieux. Je vais attendre là. Avec les épées, vous ne m'aurez pas comme ça. vais les empêcher de passer, je vais mettre ça là. Je vais mettre un écu sacré. Ouais. Ah oui, tu es là. Mais tu peux pas l'agresser toi, merde. Alors attendez. Je vais me mettre là. Ouais. Je vais mettre là. Donc toi je te mets là. Veine régulière de brouillard. Ah oh non, tu me l'avais dit, sa mère. Tu me l'as dit. Il faut que je la mette après. Ok, bon là, s'il passe un truc ou pas, je ne sais pas, on verra bien. Toi là. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup parce que ça me met une... Du coup, je vais peut-être mettre un épéiste plutôt. Non, je mets... J'ai pas envie d'avoir Micaiah. Si je pouvais avoir Claude, ce serait mieux. Je vais me retaper Micaiah, je pense. Oh, Byleth, non, Bayless. Ah bah alors là par contre je dis oui hein. Bayless, on n'est pas sur le même niveau là. C'est encore mieux. Le Claude il peut aller crever hein. C'est clairement Bayless que je veux. Ah ouais. Bayless est pété hein. Rappelez-vous, Bayless is broken. Il n'y a pas eu un épéiste tout à l'heure qui est sorti de nulle part là, qui nous a fait peur, qui avait buté Micaiah. Il sort d'où l'épéiste? Il y avait un épéiste. Non, c'est moi qui suis teubé. On a quoi comme veine dragunaire? C'est le soin, je crois. Ouais, est-ce qu'on s'embête avec ça? Je crois que je vais juste me mettre là pour pas... Ouais, pour vraiment pas avoir d'emmerde de ce côté-là. Et toi, il faut que je te bouge quand même, si. Bah, je vais te mettre là, hein. Ça va pas changer. Ok. Est-ce qu'il se passe un truc bien? Toi, on s'en fout. Toi, t'attaques le double spectral. Il esquive, c'est une bonne chose. Toi, tu attaques le double spectral. C'est très bien aussi. Toi, tu attaques là, c'est pas bon. 22, Merrin. Ok, elle esquive, elle le défonce. Très bien. C'est très très bien. Je t'aime. Ensuite, toi, tu attaques le double spectral que tu esquives et tu fais un coup critique. Oh mais Alcryst, fais-moi des bébés hein. Ah. Tu prends 10. Non, double esquive là, c'est déconnant, tu déconnes. Bon, Alfred, c'est un boss. Personne n'est mort, c'est déjà ça. 3, toi tu prends 36. Tu t'esquives, ok, bon. Si personne ne meurt, perso, ça me va. Hein. Je préférais qu'ils crèvent, mais... Les ennemis, hein, je parle, évidemment. Ok, là tu touches, cette fois, ça me va. 80%, il y a des stats de foirage bien plus acceptables. 1%, c'est n'importe quoi. Toi tu prends un max d'attaque enchaînée. Ça commence à être un peu relou. Mais, heureusement, tu peux contre-attaquer. Et je préfère que ce soit toi qui prenne les dégâts. 18, ok, tu te prends 62 dans la tronchasse. Oh non! Là par contre, ça fait 2,80 qui partent. Là par contre, je suis pas d'accord. Ok! Et eh ben très bien ça. Là en vrai, le combat s'est plutôt quand même bien déroulé. On va faire une petite sauvegarde. On va sauvegarder à chaque fois dans des... dans des endroits différents. Comme ça, on pourra à chaque fois ne pas s'embêter. Hop, je fais une petite pause, je reviens. Pain. Je suis de retour. Donc, ici, Byleth. Ah. Ah, tu me fais un petit coup critique. Tu me le paf. Hein. Voilà. Mon petit Byleth. C'est bon, ça. Bien joué, Byleth. Je t'avoue que j'ai eu peur au début. J'ai cru que ça commençait très mal. Puis après, 62 à 100%, 48 à 100%, 62 à 100%, c'est très bien. Paf. Ça me va. I could use some tea after that. En effet. Et toi, je peux même mettre une petite veine dragonnaire de soin. Ça, au prochain tour, tu vas te soigner, toi. Ok, bon, on a fait le bas. C'était pas le plus compliqué à résoudre. Le haut, maintenant. Et en vrai, c'est quand même bien dégarni, hein. Ça s'est plutôt bien déroulé. Il va falloir qu'on tue Alfred. Je crois qu'on va garder Alcryst pour le piaf, lui. Ah. Il y a lui à buter, il y a lui à buter. Il y a lui à buter. Toi, t'as déconné, hein. C'est vraiment dommage. Alfred. Ah, Alfred, tu le tues, lui. Est-ce que tu le tues vraiment ou tu le tues en crevant? Tu le tues vraiment. Ouais, tu le tues vraiment. Tu prends 20, mais tu le tues vraiment. Tu prends 20, mais tu le tues vraiment. Ça me va, ça. In fact. Parce que c'est 100%, 35. En plus, tu prends pas les dégâts. C'est très très bon. Ok. Parce que ça me permet de garder Alcryst derrière. Et lui, au prochain tour, je pense qu'il va partir. Hein. Il va arriver là. Donc c'est bien, de, ça serait bien de se débarrasser un maximum de tout cela là. Je n'ai pas Soren. Je n'ai pas Soren. Ah, il n'est pas dispo quoi. Alors, toi, j'aimerais bien te buter avec ça. Je crois que lui, il est un peu relou. Ok, donc si Alcryst, il tue lui. Qui tue lui? Merde, on peut pas passer là. Ah, tu pourras peut-être passer avec lui. Tu pourras peut-être passer. Ouais, du coup, on va faire ça. Je vais quand même me mettre loin. Je vais me mettre assez loin pour pas gêner, pour gêner personne. Attaque. Arc en argent, je vais taper lui. Il a beaucoup plus de PV. Parfait. Paf. Je permets même de faire 28, tu sais pas pourquoi. Mais parce que c'est Alcryst, il fait des dégâts en plus. Ok, Alcryst on l'aime. Hein. Voilà, là je peux passer là du coup. Là t'as la défense qui est un peu réduite, mais... Soit je suis pas sûr que ce soit grave. 100%. C'est mieux 100%. 100% c'est mieux. Hop. Comme ça, lui dégage. Et elle, elle sert à quelque chose. Maintenant, il va falloir qu'on tue lui. Donc pour ce faire... Je suis obligé de t'attaquer toi. S'il faut que tu meurs. Paf. Eux, il faut qu'ils meurent, les petits, là. Ils ont 6 dégâts. Je pense que toi, tu dois pouvoir le gérer quand même. Donc si Diamant et toi, ça devrait le faire. Ah merde, tu le tues pas toi? Ah, tu ne le tues pas non plus. Et si je me mets là? Dame, tu ne le tues pas. Ah, je pensais que tu le tuais, voyez. Merde, il ne le tue pas. Un peu plus embêtant. Après, peut-être que Soren avec ça... Pas Soren... Ça, il le tue. Très bien, ça. Celica, plus Grégory. Non, ce n'est pas... ce n'est pas Diamant avec Roy. On a l'impression. Et Ragnarok. Je suis content d'avoir retrouvé Grégory parce que... Il est quand même très très solide sur ses appuis, le bonhomme. Ouais, 42. Ouais. Allez. Ah putain. Évidemment. Bon, là il faut pas qu'on se mette là non plus. Il faut qu'on puisse se déplacer. Là on a Aléar. Après lui il va pas faire grand chose non plus. Hein. C'est pas bien grave. Ah, on peut pas, on lui fait pas plus de dégâts que ça. Ah, parce qu'il se soigne derrière, ok. Ah, il nous emmerde bien lui quand même. Hein. Il nous emmerde bien. Il n'y a pas moyen de... le buter. 1, 2... Attaque... Il n'y a que Veyle qui vraiment l'éclate. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est logique. C'est une magicienne. Mais après, peut-être qu'il est en posture de résistance ou je sais pas quoi. Ah non, il a l'épée runique. J'ai dit un truc au pif, hein. Ça fait genre, je comprends, mais vous n'êtes pas des néophytes, vous savez que j'ai de la merde. Ah là, il se heal. Le problème, c'est qu'il se heal et en plus de ça... Alors que là, il risque d'attaquer juste ça et puis c'est tout. Tu peux pas attaquer toi, c'est vraiment dommage hein, parce que tu peux lui faire un max de dégâts. Est-ce qu'on se ferait pas d'ailleurs hein, juste un bâton? Quelqu'un à soigner là? Il y a quelqu'un à soigner. Voilà, on va soigner Merrin. Hop, ça, ça nous fait gagner une part de Byleth et il nous faut Byleth. Après, le problème, c'est que la Yunaka, tu te fais agresser. Pas obligé, il n'est pas obligé d'attaquer lui, mais je pense qu'il va quand même attaquer lui, non? Sinon, je me mets là. Comme ça, ça le force à attaquer l'un des deux. Ça me paraît ok. Et du coup, je vais juste taper lui. Hein. Ou alors, je fais le lion flamboyant. J'incendie la zone. Ça lui fait des dégâts quand même. À nous aussi, cela dit peut-être. C'est pas une bonne idée. Après, il peut pas se déplacer, il va pas tuer. Ouais, non, on va le faire, je crois. On va plutôt être partisan pour le coup. Ça va quand même pas tuer nos alliés, je pense. Au moins, il peut plus se déplacer. Ouais, là, il va venir. Il peut plus se déplacer et du coup il attaque forcément quelqu'un. Ok voilà, le double spectral par exemple. Oh là là, qui va le buter en plus. Mais il va le buter. Mais Alcryst. Alcryst, quelle puissance. Bon là c'est Lynn, mais Alcryst quand même. Je peux enfin rejoindre tous les autres. Ah ouais, il allait encore me scammer la gueule lui hein. Cette fois, Gris, il s'est pas laissé faire. Si on prend des dégâts quand même, ok. J'espère qu'on peut se déplacer. Ok, on peut se déplacer. Oh non, on va perdre Byleth. Oh, c'est tellement sad. Bon, je le dis, on peut le buter au moins. On peut en profiter pour buter lui. Il n'est quand même pas négligeable. C'est dommage de perdre Byleth parce qu'il est, très très fort. Ah non, peut-être pas le... On peut peut-être pas le perdre. Ici. Ici, ici, parce que les seules cases où je peux l'amener, il meurt. Très bien. Bah, du coup, rip. Hein. Et du coup, rip. Rip, rip, rip. Ah, c'est très très con ça. Bah, dommage. Dommage, mais tant pis. Dommage, mais tant pis. D'ailleurs, on va sauvegarder. Être une très très bonne idée parce que là on a encore tout cela à buter et c'est pas dit qu'on y arrive parce que là on a utilisé tous nos emblèmes, c'est cool. Mais après on les a plus les emblèmes, tu vois. T'as ta tempête Astra. Ah ça se fait non? Ou je fais direct sur Hortensia? Non, en vrai, je crois que ça se fait sur... Ça se fait sur Ivy, en vrai. C'est comme ça, je bute Ivy. L'avènement d'un enfant de dragon déchu. Je bute Ivy. Comme ça, elle crève. Et dès qu'elle se pointe, Alcryst peut la buter en un coup avec son arc. Et ça, c'est quand même pas dégueulasse. Alors que Hortensia, je pense qu'on peut la buter un peu avec n'importe qui. Et puis ce n'est qu'un soigneur, donc on s'en fout en soi. Lui, s'il vient, est-ce que c'est bien? Peut-être, mais pas avec toi. Bâton. Ah mais attendez, est-ce que je peux pas sauver Byleth? Mais si, je peux sauver Byleth. Bâton, secours. Apprenez magie de téléportation. Viens là toi. Bien joué, il serait allé là, j'aurais pleuré. Hein. Nice, on a sauvé Byleth. Pour un tour. Hein. Pour un tour. Et en vrai, ça peut être un tour qui fait la différence. On va attendre. On va attendre. J'aurais pas dû faire ça comme ça, c'est pas grave. On va se mettre là, dans un petit coin. Petit ralliement plus. Attendre. Hop. Et... attendre. On aurait même pu faire un peu mieux sur ce tour en faisant un Halo Plus à la fin avec Véronica et Ivy. Mais pour le coup, c'est quand même pas mal. Il est quand même pas trop mal ce tour. Ok, là il y a eux qui commencent à se pointer. Ok, face joueur. Bon. Dame, c'est vrai qu'il y a tout ça en plus. Mais je vais quand même pas vous mentir, on est dans une posture un peu meilleure. Je sauvegarde à chaque tour. Hein. Je ne vous mens pas. On est dans une un peu meilleure posture, mais c'est pas non plus la joie. Là merde, on est tous en haut. Ce qui n'est pas une bonne stratégie. Clairement pas. Ok, donc là on lui fait déjà un peu plus de dégâts. C'est quand même pas incroyable, hein, mais on lui fait un peu plus de dégâts. Voilà. Je peux mettre Byleth là. Hein. Techniquement, ça nous empêche de subir de trop. Tu peux pas te mettre là. Tu peux pas te mettre là. Bon, il n'y a vraiment que toi qui peux se mettre là. Et c'est pas une très bonne idée. Ah, ça c'est pas cool. C'est pas vraiment cool. Fuck. Ah, je me suis mis en haut, j'aurais pas dû. J'avais zappé qu'il invoquait des monstres, lui. Damn. Parce que du coup là ils vont être nombreux. Ils vont être très nombreux. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. C'est un peu le sous-size là. C'est un peu le sous-size. C'est un peu le sous-size. Damned. Ouais, c'est un peu un gros souci. Ça me paraît quand même pas mal. On va restituer Véronica. Enfin, Ivy. Quand même te mettre là, je crois. Ah, mais si tu meurs, c'est la loose. Si tu meurs, c'est la loose, mais si c'est un épéiste, c'est encore plus la loose. L'autre, non, il a un point d'exclamation, ça me va pas du tout. Je vais me mettre là, tant pis. On va envoyer diamant. En vrai, je l'attaquerai bien quand même, lui. Juste s'ils se prennent quelques petits dégâts. Ça fait 16, on en profite. Ouais, non, c'est peut-être pas... c'est peut-être pas la meilleure strat. Quoique, en même temps, il faut le grappiller, lui, hein. Je prends 17 pour lui mettre 16. Je suis pas sûr que ce soit le moment de prendre les dégâts. Il se fait des cataclysmes, lui, ça c'est pas bon. Ça ne sert à rien. On va tout de même envoyer Aléar. Je pense pas qu'il puisse prendre l'aggro de tout le monde de toute façon. Faut pas que déconner. On va mettre Alcryst également. On va se mettre là. On va se mettre là. Je pense pas que lui meure en un coup. Toi ici. Toi là. Toi je pense ici c'est très bien. Ah non, le ralliement plus, j'ai zappé. J'ai zappé. Je joue trop vite. Je joue trop vite. Je joue trop vite. Je peux me mettre là. Ouais, je joue trop vite. Le ralliement plus aurait pu sauver des vies. Hein. Il aurait largement plus sauver des vies. Toi, tu fais un cataclysme sur qui? Sur Madeleine. Ok, elle aurait pu prendre beaucoup plus cher que ça. Hein. C'est juste fulguration. Ok, elle n'a pas fait l'attaque spéciale. Ne reste personne. Pas même le dragon divin, ils ne reviendront pas. Le ralliement plus aurait pu sauver des vies. Bah oui, je pense. Très clairement. C'est difficile d'évaluer. Là-bas, il fait rien, je crois. Okay, il y en a d'autres qui spawn. Ah, c'est dommage qu'on perde Grégory sur ça, parce qu'il était fort, Grégory. Et en plus, du coup, ça spawn. Donc vraiment, ça n'a servi à rien. C'est quoi comme unité qui spawn? C'est des aberrations, c'est les chevaliers. Son chante à buter, elle, non? Ah, pas plus. Ouais, pas plus que ça, j'allais dire, mais un peu quand même, si. Est-ce que Alcryst, en se mettant là, il peut faire quelque chose sur Ivy? Ah, non. Et non, non, non. Ça, c'est dommage. Donc, c'est pas une bonne idée. Faut que je le mette là-haut. On va essayer d'apprendre de nos erreurs. Hein. Hop. Parce que toi, tu peux rien faire. Ça sert à rien d'aller là. Ok. Ceux-là ils sont gros mais ils sont pas plus dérangeants que ça. Après toi tu peux tuer la dame quand même. Elle est quand même moins dérangeante qu'Ivy. Qui c'est? Est-ce que tu peux la tuer? Ah elle est chiante quand même. Elle est chiante la Hortensia. On n'a plus Bayless. Mais non il est mort Bayless. Il est dispawn surtout. C'est dommage parce que Bayless contre elle, il aurait été fort. Ok, ok, ok. Bon, de toute façon, on va pas sauvegarder. Là, on va juste recharger. Système, on quitte. Oui. On se retrouve dans le prochain épisode pour revoir un petit peu cette phase de combat. Ciao, ciao tout le monde.